Welcome to a night of total terror. Night of the Living Dead. Si les zombies existent au cinéma depuis 1932 avec White Zombie, ils étaient néanmoins très loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. En effet, à l'époque, les zombies au cinéma étaient principalement des zombies dans la conception vaudou du zombie. En 1968, un réalisateur de cinéma alors méconnu, George Andrew Romero, va sortir un petit film indépendant, La Nuit des Morts Vivants. Le film va être instantanément un classique du cinéma d'horreur et va servir de référence à tous les films de zombies à venir. Contrairement aux films de zombies que nous avons eus depuis les années 30, dans La Nuit des Morts Vivants, les zombies ne sont pas sous l'emprise de magie noire ou d'une magie vaudou. Non, c'est un pathogène d'origine inconnue qui est à l'œuvre, qui fait que toute personne mordue par une goule devient elle-même une goule affamée, mais pas seulement. En effet, la morsure n'est qu'un déclencheur pour la mort. Mais quelle que soit la façon dont vous mourrez, vous finissez par revenir sous la forme d'un zombie vous aussi. Jusqu'à la fin des années 2000, le film engendrera 5 suites qui seront toutes réalisées par George Romero lui-même, avec tout d'abord Dawn of the Dead, appelé Zombie en Europe, Day of the Dead, le jour des morts vivants, Land of the Dead, Diaries of the Dead et Survival of the Dead. La saga donnera lieu à pas moins de 4 remakes. Un premier remake du premier film en 1990 par Tom Savini, ami de George Romero. Le film est plutôt honnête mais légèrement inférieur à l'original. Le très bon Dawn of the Dead en 2004 par Zack Snyder. Et les deux, franchement moins bons, Day of the Dead et Day of the Dead Bloodlines. Alors vous allez me demander pourquoi je vous parle de tout ça. Eh bien tout simplement parce que le jeu dont nous allons parler aujourd'hui a été très fortement inspiré par la saga de George Romero, saga qui l'élève au rang de unique source d'inspiration de sa série, même si nous allons voir que ce n'est pas le cas. Car en effet, aujourd'hui, nous allons parler du tout premier... Resident Evil. Alors d'abord, si vous le voulez bien, penchons-nous sur le concept de Resident Evil, ou plutôt comment le genre du survival horror est né et a été popularisé. Les premières idées ayant donné naissance à Resident Evil ne sont pas nées en 1996 avec la sortie du jeu ou même son développement. Non, elles datent de 1989 avec la sortie sur Famicom, l'équivalent japonais de la NES, de Sweet Home, un jeu par le même studio Capcom. Dans Sweet Home, une bande de reporters entre dans le manoir abandonné d'un artiste peintre récemment décédé, manoir qui a la réputation d'être hanté. Si dans son gameplay de base, le jeu fait grandement penser à un jeu de type Final Fantasy, avec des combats de type RPG au tour par tour, le jeu pose tout de même les premiers éléments du survival horror. En effet, les personnages sont coincés dans un manoir, a priori hanté et rempli de créatures cherchant à les dévorer. La première règle du survival horror est ainsi instaurée, l'unité de temps et de lieu. Toute mort d'un membre du groupe contrôlé par le joueur y est définitive. Élément de gameplay qu'on ne retrouvera pas dans Resident Evil, à moins que cela soit prévu par le scénario, mais cela instaure une certaine pression pour le joueur. Toutefois, certains éléments de gameplay survivront jusqu'à Resident Evil. L'un des premiers problèmes auxquels l'équipe de Shinji Mikami chez Capcom a dû faire face, c'est que le jeu était sur un support CD. Cela permettait de stocker beaucoup plus de données que le support cartouche qu'il y avait avant, mais néanmoins, il y avait des temps de chargement. Il a donc fallu trouver une astuce pour placer les temps de chargement sans casser le rythme et l'immersion. La réponse à ce problème est venue de Sweet Home directement, avec l'animation des portes à chaque fois que le joueur changeait de salle. Shinji Mikami a donc réutilisé cette astuce dans Resident Evil sur support CD afin de dissimuler les temps de chargement. Si j'insiste autant sur le jeu Sweet Home, c'est qu'à l'origine, Resident Evil n'aurait pas dû être Resident Evil. Il aurait dû être en effet soit au choix un remake ou une suite de Sweet Home. D'ailleurs, comme cela va être la tradition pour quasiment tous les Resident Evil, le développement va être très chaotique et va changer de direction à plusieurs reprises. Il a été même envisagé à un moment que le jeu soit un first-person shooter. Le concept n'aura pas été intégralement abandonné, dans la mesure où il sera retrouvé dans le premier spin-off de Resident Evil, à savoir Resident Evil Gun Survivor, dont on parlera une autre fois et qui est plutôt un très mauvais jeu. Le jeu va alors complètement se dissocier de la licence Sweet Home, mais en conservera certains éléments. Cette fois, le joueur incarnera un policier d'élite détaché avec son groupe dans la forêt pour enquêter sur des meurtres cannibales et se verra enfermé dans un manoir envahi par des zombies. Mettant en scène comme antagonistes principaux des zombies, le jeu va alors citer comme unique source d'inspiration les films de George Romero,
mais nous allons voir tout de suite que la réalité est très loin d'être aussi simple. Donc reprenons quelques éléments de gameplay, même si nous allons l'aborder plus tard en détail. Le joueur se déplace avec des contrôles de type tank control dans des angles de caméra fixe et à sa disposition un équipement très limité, ce qui est la base du Survival Horror, genre que Capcom se vante d'avoir inventé. Néanmoins, si on regarde dans l'histoire du jeu vidéo, et pas si longtemps que ça avant Resident Evil, on va trouver un jeu qui correspond exactement à la même chose. Sorti à peine 4 ans plus tôt, en 1992, Alone in the Dark met en scène deux personnages au choix, un masculin et un féminin, dans un manoir hanté, se déplaçant avec des tanks contrôle, dans des environnements avec des caméras à angle fixe, et ont à leur disposition un équipement très limité, où il vaut mieux éviter les combats le plus possible. Ça vous dit quelque chose? C'est exactement ce qu'on retrouve dans Resident Evil. Donc on va demander à notre très cher ami Orson Welles ce qu'il en pense. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Capcom a toujours nié s'être inspiré de Alone in the Dark afin de créer Resident Evil, et il faudra attendre quasiment 2 décennies plus tard pour que Shinji Mikami, producteur et créateur de la série Resident Evil, une fois libéré de ses obligations contractuelles envers Capcom, admette auprès de Frédéric Reynal, créateur de Alone in the Dark, que oui, Resident Evil était intégralement une repompe de Alone in the Dark. Maintenant que nous avons posé les bases du concept, nous allons nous intéresser à quelle est l'histoire de ce jeu. À la fin du printemps 1998, une vague de meurtres cannibales a lieu dans la forêt autour de la ville de Raccoon City dans le Midwest. La police ne parvenant pas à résoudre l'affaire, elle fait appel aux Stars afin de pouvoir poursuivre l'enquête. Et déjà, dès le début du postulat de départ, on a un petit souci. C'est les Stars qui vont mener l'enquête sur les crimes cannibales, sachant que le jeu présente les Stars comme étant une unité d'intervention et non une unité d'investigation. Déjà, c'est un petit peu complètement con. Les Stars, ou sous leur nom complet Special Tactics and Rescue Service, envoient l'équipe Bravo en hélicoptère au-dessus de la forêt afin de trouver des indices pouvant permettre de résoudre l'enquête. Néanmoins, ils ont une avarie moteur avec leur hélicoptère, doivent se poser en urgence. Après leur disparition, l'équipe Alpha est envoyée, et on arrive là au deuxième problème de l'intrigue. En effet, si on se base sur les jeux suivants, notamment Resident Evil 0, entre le moment où l'équipe Bravo disparaît et le moment où l'équipe Alpha est envoyée en renfort, il s'écoule pratiquement une 24 heures en fait. Non, c'est pas pratiquement, il s'écoule complètement 24 heures. Et logiquement, je serais à peu près persuadé qu'un groupe de police ne mettrait pas 24 heures afin de lancer une équipe de recherche pour trouver leur première équipe disparue. Enfin bon, c'est un peu complètement con, mais admettons. Donc l'équipe Alpha survole elle aussi la forêt, il détecte l'hélicoptère de l'équipe Bravo et se pose sur place pour enquêter. Vient ensuite ce qui semble être l'une des explications les plus cons à pourquoi le groupe est laissé à lui-même sur place. Le groupe est très rapidement attaqué par des chiens zombies et le pilote de leur hélicoptère prend peur et s'enfuit tout seul, laissant ses coéquipiers sur place comme des bousins. Le groupe trouve alors refuge dans un manoir dans lequel il s'enferme, mais néanmoins le manoir est rempli de créatures toutes nécrosées ou autres zombies prêts à vouloir les dévorer. Ils vont très vite découvrir que le manoir servait de couverture à un laboratoire dans lequel il y a eu un accident et qu'un pathogène, le virus T, provoquant la mutation zombie, s'est échappé et tous les chercheurs et personnels sont donc contaminés. Vous l'aurez compris, le jeu ne brille pas particulièrement par son intrigue, non pas parce que l'intrigue est basique, ce qui ne serait pas en soi un problème si elle est maîtrisée, c'est juste qu'elle est très mal écrite, il y a énormément de facilité scénaristique. Mais même si l'intrigue est mal écrite, il n'y a pas que ça, il y a aussi les dialogues qui sont extrêmement mal écrits et mal joués, mais on y reviendra tout à l'heure. Cette intrigue est présentée dans le jeu par une séquence d'introduction cinématique, en live action, qui est absolument déplorable, qui est devenu classique aujourd'hui pour son côté kitsch, ce qui fait qu'un certain nombre de fans de la série l'aiment bien. Mais rétrospectivement, on peut pas dire que c'est du bon travail, même les créateurs de chez Capcom en ont été plutôt déçus. De toute façon, la saga Resident Evil, à part à de très rares exceptions telles Resident Evil Code Veronica, n'a jamais brillé par la force de son scénario, loin de là. Mais les jeux ont toujours réussi à s'imposer grâce à leur ambiance et leur gameplay. C'est le point que nous allons attaquer par la suite. Pour ce qui est du gameplay, on a un gameplay en tank control. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Blair Witch à quoi correspondait le tank control, mais je vais vous réexpliquer à nouveau. Donc dans le tank control, vous utilisez les flèches directionnelles pour vous déplacer, mais la touche O ne vous fait pas aller vers le haut de l'écran, elle vous fait avancer droit devant. La touche bas ne vous fait pas aller vers le bas de l'écran, elle vous fait reculer, et ainsi de suite.
ce qui permet une jouabilité fluide dans un jeu comme Resident Evil, où les angles de caméra fixes sont tout le temps changeants. Alors je sais que beaucoup de joueurs détestent les temps de contrôle, ce qui n'est pas mon cas, je trouve que par rapport au système de jeu de type survival horror, ça permet des déplacements qui sont relativement précis, enfin qui néanmoins manquent de fluidité, mais c'est relativement précis par rapport aux angles de vue utilisés. D'ailleurs, même s'ils étaient déjà utilisés dans Alone in the Dark dès 92, c'est en 1996 Resident Evil qui va les populariser. Ils vont être repris dans tous les survival horror qui vont suivre, tels que Silent Hill, Dino Crisis, Parasite Eve. Il ne faudra attendre que la sortie de Resident Evil 4, plus de 10 ans après, pour qu'on mette fin au système des temps de contrôle pour avoir des survival horror beaucoup plus dynamiques. Pourquoi le système des temps de contrôle a été choisi? Tout simplement parce que le jeu se passe dans des environnements à angle de caméra fixe. Dès que vous sortez du champ de la caméra, vous passez sur une autre caméra qui, pareil, un angle de vue fixe, et souvent des angles plongeants très cinématographiques qui vous empêchent de voir l'action. Et là encore, beaucoup de joueurs détestent ce système d'angle de vue caméra fixe, ce qui n'est pas mon cas. Donc déjà, si vous aimez pas les temps de contrôle et les caméras fixes, je me demande même pourquoi vous regardez une vidéo qui parle d'un survival horror rétro. Mais néanmoins, moi je trouve que c'est une très bonne trouvaille, parce que bien évidemment, si vous ne voyez que très peu ce qui se passe devant vous, justement ça entretient la tension, le mystère et le stress. Donc pour moi, ça c'est un très bon point, même si Capcom l'a absolument pas inventé, et là encore, je vais me répéter, ils l'ont déjà chouré à Alone in the Dark. Outre ce système de déplacement, le jeu étant quand même relativement orienté exploration, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes afin de trouver des objets qui vont vous permettre d'avancer dans le manoir. Les énigmes sont pas très compliquées, une fois qu'on a compris la logique, il suffit généralement de trouver un objet à un point A, l'amener au point B et le placer pour obtenir un nouvel objet. Bon, une fois que la logique est comprise, c'est tout simple. Donc pour remplir ces énigmes, il vous faut les objets nécessaires. Et pour les objets, bah, vous avez un inventaire. Cet inventaire est limité, si vous jouez avec le personnage de Chris, vous êtes limité à 6 cases dans votre inventaire, si vous jouez avec le personnage de Jill, vous êtes limité à 8 cases dans votre inventaire. Ce système d'inventaire combiné à ce système d'énigmes pose pour moi la partie du jeu qui m'énerve le plus, c'est-à-dire que vous passez votre temps à faire des allers-retours dans ce foutu manoir. Alors, c'est très bien la première fois que vous y jouez, parce que assez flippant, vous allez devoir retraverser des couloirs que vous n'avez pas nettoyés, mais une fois que vous avez déjà fini le jeu, au moins une fois, traverser ce foutu manoir de long en large, en travers, à plusieurs reprises, ça devient très vite très agaçant, voire, pour être un petit peu plus vulgaire, grave saoulant. Et puisqu'on parlait de Jill et Chris, eh bien ce sont les deux personnages principaux du jeu. Vous avez dès le début de la partie le choix entre les deux. Sachant que de la vie générale, Chris est le mode dur du jeu et Jill le mode facile. Mais pour moi c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand vous jouez avec Chris, vous avez accès à moins d'armes et des armes moins puissantes que celles de Jill. Vous avez un inventaire qui est plus petit, donc vous ferez plus d'allers-retours et vous avez moins d'items de sauvegarde à votre disposition que Jill. Sauf que Chris est beaucoup plus résistant physiquement que Jill lors des combats. Donc pour moi, en fait, les deux modes de jeu s'équilibrent plus ou moins. Pour la sauvegarde, on est dans un survival horror classique, rétro, donc c'est-à-dire que le nombre de sauvegardes est limité. Vous êtes limité par le nombre d'objets qui vous permettent de sauvegarder, mais aussi par le fait que vous ne pouvez sauvegarder qu'à des points fixes. Il doit y en avoir quoi, 4 ou 5 maximum dans tout le jeu. Après, on va pas s'en plaindre dans la mesure où c'est une mécanique récurrente des survival horror d'avant Resident Evil 4. Donc pour moi, aucun souci avec ça. Je vais conclure cette partie sur le gameplay avec une opinion personnelle. Pour moi, par rapport au jeu suivant dans la série, le gameplay de ce Resident Evil est hyper mou, franchement. Je me déplace, je m'ennuie. Enfin, globalement, dans ce jeu, je m'ennuie, je le trouve très mou par rapport aux épisodes suivants, et c'est ce qui fait que c'est l'un des épisodes que j'accroche le moins. Bien maintenant, les amis, nous allons parler du sound design, la musique et les effets sonores du jeu. Ce qu'ils tiennent la route, au moins. Alors, pour ce qui est des musiques, elles sont plutôt pas mal. Elles ont pris un petit coup de vieux, c'est pour ça que les musiques que vous entendez en fond, une fois n'est pas coutume, ne sont pas les musiques de Resident Evil, mais ce sont les musiques remasterisées pour son remake. Mais bon, globalement, ce sont les mêmes compos, mais en beaucoup plus propre. Donc, en gros, de ce que vous avez pu entendre depuis le début de la review, non, franchement, la musique est plutôt cool, elle colle assez bien à l'ambiance, donc pour la musique, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, elles ne sont pas inoubliables, loin de là, mais elles passent bien. Non, là où le son est pas terrible, c'est au niveau des doublages. Bon, outre le fait que les doublages soient pas terribles, faut admettre que déjà, le texte est mauvais. Les textes sont mal écrits, mais les comédiens de doublage,
Il y a du niveau dans la médiocrité quand même. Je vous laisse écouter par vous-même, mais vous allez voir, c'est absolument atroce. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Maintenant, on va parler des graphismes. Pour les graphismes du jeu, ça va aller assez vite, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à en dire non plus. Le seul et réel point fort des graphismes, ce sont les angles de vue caméra fixes, qui sont plutôt jolis et assez détaillés pour l'époque. Surtout si on les compare à ceux de Alone in the Dark, ils sont vachement plus beaux, carrément. Hein. Donc les angles de vue des caméras fixes sont plutôt bien réussis. Par contre, pour le reste, les personnages sont très cubiques, les ennemis sont très cubiques, et les armes sont extrêmement cubiques. C'est le top du top, les armes, hein, au niveau cubisme. Néanmoins, j'ai pas trop lui reprocher. Je tiens à rappeler que le jeu est sorti en 1996, on est au tout début de l'ère des jeux vidéo en 3D sur console. Donc, on va pas trop lui reprocher, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, dans les jeux précédents, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Nous allons nous pencher maintenant sur la portée du jeu, c'est-à-dire que le jeu a eu un très fort impact sur l'industrie du jeu vidéo, mais pas seulement. C'est ce que nous allons voir dès à présent. Déjà, le jeu a engendré un paquet de suites. Il est sorti il y a 2 ans Resident Evil 7, mais Resident Evil 7 est, en termes de saga officielle, ça n'est pas le 7e jeu. Non, c'est le 11e jeu dans l'histoire déjà. Le jeu a aussi engendré tout un paquet de spin-offs sur lesquels on reviendra si j'ai un jour le courage de les faire. Mais Resident Evil, c'est pas seulement des jeux, il y a eu énormément de produits dérivés, il y a eu des jouets, il y a eu des figurines, il y a eu des romans, des mangas, des comic books, et il y a eu les films. Donc pour ce qui est des films, il y a 2 groupes. Déjà, il y a les 3 films d'animation en images de synthèse qui ont été faits par l'équipe de développement des jeux. Donc 3 films d'animation. Et franchement, même si ils font partie de l'histoire officielle, je vous les conseille pas. Même si vous êtes fan, je vous les conseille pas, c'est pas très bon. Franchement, c'est pas bon. Quand vous regardez les films, vous avez qu'un seul regret en tête, c'est de pas tenir une manette en main, en fait. Et pour ce qui est du 2e groupe, on a les films qui ont été tous produits et tous écrits et en partie réalisés par Paul Anderson. La saga Resident Evil avec Mila Jovovich, avec un premier film assez sympa, et les films suivants qui sont franchement oubliables, qui sont pour certains même à la limite du ridicule, mais qui ont au moins le mérite d'avoir ouvert la voie pour le retour du genre zombie au cinéma, et c'est ce qui a permis aussi à remettre les zombies sur le devant de la scène et permettre à Robert Kirkman de lancer sa bande dessinée The Walking Dead. Excellente transition, mais je vais pas la faire vu qu'on va en parler un peu après. Alors au final, qu'est-ce que j'en pense de Resident Evil? Est-ce que je vous le conseille? Alors j'ai envie de dire oui et non. Si vous avez du mal avec les survival horror rétro, franchement pas. Si vous êtes un fan invétéré de la saga, oui, complètement, oui, c'est à découvrir. Mais je vous conseille beaucoup plus, soit son remake GameCube, ou même de préférence, le remaster du remake, qui est absolument génialissime. Voilà. Pour moi, préférez le remake à l'original, mais si vraiment vous êtes un fan invétéré, jetez-vous sur l'original. Donc, pour ce qui est de la note, je lui mets un Nebula Chain. Ouais, c'est correct. Disons que le jeu a extrêmement mal vieilli et qu'il encaisse beaucoup plus le coup que les autres épisodes. Et si vous voulez commencer par un jeu dans la saga sans trop vous ennuyer, je vous conseille de commencer directement par le 2. À titre personnel, j'avais découvert la saga avec le 2 et le fait de ne pas avoir fait le premier ne m'a pas trop gêné pour comprendre l'intrigue. Bon, néanmoins, le jeu est assez sympa quand on le connaît pas, mais une fois qu'on le connaît, il est vraiment pénible à faire. Et voilà, gros bisous à tous, c'est la fin de ma vidéo, et je vous laisse avec quelques images du jeu qui sera testé sur la prochaine review nébulaire. Allez, bonne journée à tous. But no one here to take care of.